Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 19 de Au coin du Blu-ray. Épisode 19 donc qui passe à la lettre I parce que j'ai fait le tour de la lettre H juste avant avec l'excellent La Horde que je vous avais conseillé. Et donc là du coup dans la lettre I. Alors dans la lettre I, j'ai plein de choses et en même temps, comme pas mal de lettres en Blu-ray, je suis quand même assez limité en termes de possibilités. J'aurais pu vous parler de la saga Ip Man, mais je l'ai déjà fait dans une vidéo que j'estime être assez bonne. J'ai hésité à vous parler d'un classique que j'aime beaucoup, L'Inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock, mais je me suis dit que j'avais pas forcément envie d'aborder ce film-là. Du coup, j'ai regardé mes films et en fait, je me suis rappelé qu'il y en avait un dont j'ai assez rapidement parlé dans une vidéo assez récente autour d'un auteur, mais je pense pas l'avoir assez exploré et je pense pas vous avoir donné assez envie de le voir. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler aussi dans une vidéo où je vous parlais des films qui avaient des notes Allociné assez médiocres alors que les films étaient très bons. Donc du coup, petite piqûre de rappel sur The Informant de Steven Soderbergh. L'histoire, comment la résumer simplement? Parce que c'est quand même un sacré bazar. Mark Whittaker bosse dans une grosse boîte qui fabrique de la lysine. Et du jour au lendemain, il semble voir ce qui semble être un complot entre guillemets pour réguler le marché. Il décide de dénoncer sa boîte au FBI. Et ça va commencer à être le bordel pour Marc. Je dis ça parce que tout le principe, c'est que le film est une immense comédie qui cherche énormément à jouer avec l'idée de point de vue. Chose qui peut sembler très vague comme ça, mais qui a toujours fasciné Steven Soderbergh dans la plupart de ses longs métrages. Steven Soderbergh, ça a toujours été un mec, si vous avez vu ma vidéo, qui aime bien jouer sur les faux-semblants, sur la crise identitaire que peuvent avoir certains personnages, ou plus radicalement, sur l'idée de tout simplement jouer avec quelqu'un. Jouer avec quelqu'un en le manipulant, en l'usurpant, en se moquant de lui. Et tout le principe en fait de sa mise en scène est retranscrit au sein de The Informant. Et personnellement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film de Steven Soderbergh. Il y en a plein qui trouvent que le film est, si ce n'est mauvais, en tout cas très bancal, très maladroit, assez vague, pas toujours bien réalisé, pas toujours bien construit en termes de rythme, en termes d'imagerie. Parce que ça surprend lorsqu'on connaît Steven Soderbergh, ce genre de long métrage. On peut se dire, c'est quand même bizarre qu'il se concentre sur un mec qui soit aussi antipathique, aussi bête, aussi crédule, voire simplement manipulateur, sans qu'on ait la véritable idée de ce qui le domine. Enfin, c'est assez fascinant en fait, et c'est ça qui me passionne dans ce film, c'est que ce personnage de Mark Whittaker est à la fois le mec le plus con du monde, ou un immense génie incompris. Et c'est assez fascinant de voir Steven Soderbergh le rendre hyper charismatique dans un long métrage où littéralement il en est le héros, mais un héros complètement dupé. Un héros dont on se fout, dont on se dit c'est pas possible, il peut pas aller jusque là, et s'il continue à aller jusque là. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans son métrage. Et je trouve que c'est un des films qui représente le mieux Steven Soderbergh dans son côté un peu plus intime. Parce que Steven Soderbergh, si vous suivez sa filmographie, il a toujours eu deux facettes. Il y a la facette du réalisateur qui a envie de faire des gros blockbusters, ou si ce n'est des blockbusters, des films assez ambitieux avec pas mal de fric. Et il y a la facette plus intime, celle du cinéaste qui, entre deux Oceans, va faire The Girlfriend Experience, ou The Good German, ou The Informant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, littéralement, il en soit vraiment dans une période où son objectif, c'est vraiment que de faire des films expérimentaux. Il suffit de voir son dernier long métrage, tourné quasi en improvisation totale, dans un bateau, en très peu de temps, avec des acteurs extraordinaires. À partir de ce moment-là, je pense que vous comprenez un petit peu le personnage. Et The Informant est un petit peu dans cette idée-là. Je dirais pas dans la partie expérimentation, plus dans la partie, j'ai envie de poser un film où l'histoire va surprendre les gens, va les pousser dans une direction qu'ils n'attendaient pas forcément, et où du coup, ils vont se sentir questionnés, ils vont se sentir remis en cause, et ils vont avoir un point de vue bizarre. Et il le fait très bien par le biais de sa mise en scène qui, si elle n'est pas non plus révolutionnaire comme ça peut être le cas sur certains de ses films, je pense par exemple à l'excellent Piégé où là il arrive vraiment à offrir une mise en scène d'action qui est très surprenante et où il arrive à jouer avec un suspense quasi omniprésent. Celui-là, je vous le conseille également très fortement. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il cherche simplement à jouer avec des cadres. Enfin, quand vous voyez les grands cadres là, comme celui qu'il y a par exemple à l'écran, ce sont des cadres dans lesquels il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est très intéressant parce que constamment il va jouer avec ça, sur le fait que par exemple, Marc va dominer beaucoup d'espace dans la pièce et finalement beaucoup d'espace pour rien. Comme s'il voulait absolument être présent et pour autant, ça l'aide pas à avoir plus de charisme.
Ça donne juste la sensation qu'il domine la situation. Et il y a constamment ça dans la mise en scène de Steven Soderbergh, et j'aime beaucoup ce film en partie pour ça. C'est très intelligent, c'est très justement dosé, et c'est très bien fait. Puis au-delà de ça, on peut en parler un petit peu, mais l'interprétation de Matt Damon dans ce film, pour moi, elle est fantastique. C'est un mec qui est capable de tout jouer, Matt Damon. Il n'y a pas besoin d'être un grand sage pour le savoir. Vous avez tous vu un paquet de films dans lesquels il y a Matt Damon. Celui-là ne changera rien à l'opinion que vous avez de lui. C'est un très grand acteur. Mais je trouve qu'ici, il arrive à montrer une facette qui est assez drôle, parce qu'il arrive à la fois à être assez décalé, assez moqueur, assez joueur avec le spectateur, et en même temps, il est très simple. Il est très efficace. Il est très intelligent dans sa manière de jouer avec les différents cadres que lui pose Steven Soderbergh. Et vu que c'est un mec qui a déjà pas mal bossé avec Steven Soderbergh, et qu'il continuera ensuite, je trouve que là, on sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. Et donc du coup, ils n'ont pas besoin de se poser des questions, ils n'ont pas besoin de se dire qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on doit mettre le cadre comme ça ou comme ça. Ils ne se posent pas la question, ils se laissent porter par tout ce qui se passe à l'écran. Donc ouais, pour toutes ces raisons-là, j'ai vraiment envie de vous conseiller à nouveau de regarder The Informant, parce que je sais que j'ai déjà fait à nombreuses reprises, mais c'est un film qui pour moi a été trop jugé comme étant fait par le réalisateur de Ocean's 11, 12 et 13. Et le problème c'est que faut pas se limiter qu'à ça, parce que si on se limite qu'à ça, ben il y a plein de gens que je connais qui vont me dire « Ah ouais, mais cette partie-là de la filmo du Réa, elle est un peu nulle, moi je préfère quand il fait le Ocean, c'est plus fun, c'est plus sympa. » Bah ouais, mais vous allez passer à côté de Piégé, de Ma vie avec Liberace, dernièrement de Logan Lucky, de Paranoia. C'est un cinéaste qui est tellement créatif, tellement inventif, que passer à côté de ces films-là, c'est louper la partie passionnante et finalement exaltante de sa filmographie. Donc ouais, vous l'aurez compris, The Informant de Steven Soderbergh, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le sans hésitation, et si vous le connaissez déjà, rematez-le, ça vaut toujours le coup. Ainsi s'achève cet épisode 19 d'Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis à la fois sur Steven Soderbergh, mais également sur The Informant, parce que c'est un film qui, encore une fois, est facilement critiquable, mais c'est oublier que derrière, il y a beaucoup de choses intéressantes et qu'en plus, c'est appuyé par une très belle mise en scène et une très belle interprétation de Matt Damon. Donc rien que ça, ça devrait vous pousser à le voir. Comme d'habitude, je vais terminer avec ma petite phrase, qui est la suivante. Il y a bien de secrets, encore plus de secrets, qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.